Eh bien, moi, je suis tombé dans la lecture quand j'avais 6 ou 8 ans, grâce au Pied-Niquelet et à Jules Verne, et j'ai la chance de n'en être jamais sorti. Et alors, les Pied-Niquelet, c'est évidemment l'humour même des histoires et l'humour des dessins. C'est que c'est drôle, on s'amuse. Il ne faut pas oublier que la lecture n'est pas faite simplement pour qu'on s'instruise. Ce serait une erreur. La lecture est aussi et avant tout un divertissement, un amusement, prendre la vie du bon côté, savoir rire. Et je suis tombé dans Baudelaire à l'adolescence et ça m'est resté. J'ai lu et relu Les Fleurs du Mal, lu et relu La Critique d'art, et j'ai encore fait l'année dernière une exposition L'œil de Baudelaire sur les tableaux que Baudelaire a aimés et aussi sur ceux qu'il a détestés au musée de la vie romantique, où j'ai accueilli énormément d'étudiants et de classes scolaires. Et j'ai même accueilli des classes qui sont venues de quartiers prétendument difficiles, encadrés de je ne sais pas combien d'éducateurs à 10 h du matin, et qui m'ont dit, vous savez, ils n'ont pas l'habitude d'aller dans des expositions, ben, on ne sait pas très bien ce que vous pourrez en faire. Et ben, je les ai gardés 3 heures, il n'y avait pas une remarque. Au contraire, il y avait beaucoup de questions, et il suffit d'essayer d'aller vers les gens, d'essayer de leur parler et de leur montrer que tous ces textes, que ce soit de Baudelaire ou d'autres, sont faits pour eux. Je me rappelle que, par exemple, à l'époque plus ou moins où je faisais le bac, je suis tombé sur Mouzil et sur L'homme sans qualité. Et ça m'a vraiment marqué parce que c'est une sorte d'épopée sur la fin de la civilisation européenne, la chute de l'Empire austro-hongrois et la prétention insensée de l'Empire allemand de vouloir prendre la place de l'Empire austro-hongrois. Donc, ce grand roman de Mouzil, à l'époque où on est plutôt, si vous voulez, travaillé par toutes sortes de questions existentielles, eh bien, ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a beaucoup aidé. J'ai été très intrigué, très intéressé par la contre-enquête de Meursault, de Kamel Daou. Je suis, comme beaucoup de gens, un grand lecteur de Camus, mais de voir l'histoire de l'étranger racontée de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, eh bien, ça m'a apporté énormément de choses. Il est très très important d'apprendre par cœur. Pour une raison très simple, qu'on s'approprie les textes et qu'on vit avec eux. Et qu'il se trouve souvent des circonstances où on a envie de se réciter quelque chose. Que ce soit une fable La Fontaine, une page de Montaigne, une lettre de Montesquieu, des lettres persanes. Il se peut que, tombant sur une page, Jean Kikine, mon entourage, en apportant le livre à table pour dire, tiens, je suis tombé sur un paragraphe que je ne voudrais pas que vous ignoriez. J'appartiens à une génération qui n'a pas connu les jeux vidéo. L'ennui, c'est que, et c'est aussi une observation que j'ai faite avec mes propres enfants, c'est que quand ils jouent à la télévision, à quelque jeu que ce soit, généralement au bout de 2 heures, ils sont de mauvaise humeur. Et quand on les pousse, pour ne pas dire, on les oblige à passer 2 heures avec un livre, après ils sont de bonne humeur. Et je me suis toujours demandé à quoi tenaient ces différences. Et ça m'a fait penser que l'interaction entre le lecteur et son livre n'est pas la même que l'interaction entre le joueur et son jeu vidéo. C'est que le livre est en quelque sorte terminé par le lecteur. Le lecteur remplit les interstices entre les mots, entre les phrases, entre les lignes, entre les paragraphes. C'est-à-dire, il fait jouer son imagination. Le livre est quelque chose d'ouvert. On peut y entrer, on peut le continuer. Le jeu vidéo, du moins d'après ce que j'en ai compris, c'est plutôt un univers fermé dans lequel on est obligé de travailler avec les éléments visuels qu'on vous donne. Ça, c'est un point.
Et le deuxième point, plus important peut-être, c'est que la lecture, le cœur de la lecture, c'est la langue. Or, outre le fait que par la lecture, on enrichit formidablement son vocabulaire, et que plus le vocabulaire est riche, plus la pensée est nuancée, plus les possibilités de former des phrases diverses, plus on peut s'exprimer. On sait bien que l'incapacité de s'exprimer conduit fatalement, tôt ou tard, à certaines formes de violence. Donc, outre le fait de cette extériorisation facilitée, accrue, il y a aussi le fait que la constitution humaine est faite à base de langue. Tous les scientifiques nous le disent depuis des générations maintenant, il n'y a pas de pensée en dehors de la langue. Il n'y a pas d'abord la pensée et ensuite on l'habille par des mots. On pense avec les mots. On est incapable de penser en dehors des mots. Donc l'homme est fait par le langage et je ne vois pas quels sont les progrès que je peux faire en matière de langue à travers un jeu vidéo, puisque généralement on ne parle pas, on agit, ou alors on ne parle que par bribes ou par éructation. Ce voyageur ailé, qu'il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid, l'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre imite en marchant l'oiseau qui volait. Le poète est semblable au roi des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.